dessins animés, le fondateur de cette industrie. Il est également le dessinateur de plusieurs personnages animés que nous connaissons très bien. Mickey Mouse, Minnie, Donald, l'oncle Picsou. Oui, aujourd'hui, je vous emmène au pays des Toons avec Walt Disney. Bienvenue sur OZ Télévision. Ah, il faut le savoir. Walter Elias Disney est né le 5 décembre 1901 à Chicago, aux États-Unis. Il est mort le 15 décembre 1966 en Californie. En 1917, Disney obtient son diplôme de dessinateur. Mais ce n'est qu'en 1919 qu'il décide d'entamer une carrière de dessinateur professionnel. Il est l'auteur de plusieurs grands succès que nous connaissons très bien, Blanche-Neige en 1937, Pinocchio en 1940, Alice au Pays des Merveilles en 1951. Mais c'est Mickey Mouse qui le révélera au grand public. Cette grosse industrie emploie plus de 144 000 personnes, avec un chiffre d'affaires estimé à plus de 48 milliards de dollars. Les studios Disney continuent de produire à un rythme effréné des courts-métrages qui ne font qu'enrichir et révolutionner le monde de l'animation. Nous ne remercierons jamais assez Disney d'avoir contribué et de continuer d'entretenir notre âme d'enfant. N'oubliez pas de visiter notre page Facebook. Vous pouvez également nous retrouver sur YouTube et Google+. Il faut le savoir, on s'arrête ici pour aujourd'hui. J'ai été très heureuse d'être en votre compagnie. On se retrouve toujours sur OZ Télévision, la chaîne 100% entrepreneuriat.